Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer un let's play sur le solo Dungeon Crawler de Spacel par rapport à la dernière vidéo. Vous avez été de plus en plus nombreux à me demander par MP eh bien, ce mode solo. Eh bien, bah merci, hein, parce que voilà, ça vous plaît apparemment et les retours que j'ai sont assez bons. Et là, je voulais vous présenter avec à la fois une nouvelle faction et les chapitres des Space Wolves, grosso modo, comment on pourrait un peu changer le gameplay et vous montrer en peut-être une mission, si je gagne ou si je perds, ce que vaut ce mode solo Dungeon Crawler pour Space Hulk. Allez, générique, et on passe à la partie, c'est y part. Alors bien évidemment, en préambule de cette vidéo, je souhaite vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux et de manière super assidue à utiliser les liens Philibert, liens qui contribuent justement à faire augmenter la cagnotte de la chaîne. Donc pour que ce soit des jeux de société, des jeux de figurines, de la peinture ou tout ce que vous voulez, bah, si vous voulez soutenir un peu la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à utiliser ces liens, ça sera super cool. Première mission de ce Space Hulk pour vous montrer grosso modo comment marche le solo dans une partie bien évidemment complète. Nous allons jouer la toute première partie qui est purger les xénos avec un synopsis que je vais vous donner. Il s'agit des Space Marines qui viennent d'amarrer sur un Hulk, le silence règne jusqu'à ce que soudain des cris stridents se font entendre dans toute cette citadelle de fer. Le sergent de l'escouade reçoit des ordres venant du vaisseau mère. Il y aurait quelque part dans ce navire un nid contenant une quantité importante d'œufs. Tragique serait l'issue si les Space Marines laissèrent ces derniers arriver à gestation. Armés de la volonté divine de l'Empereur et de leur courage implacable, les Space Marines doivent trouver et embraser ce nid de Jean Stealer. Cette mission aura pour but de ralentir l'expansion de cette menace xéno. Nous avons notre tuile de départ, le but sera donc de détruire le nid des Jean Stealer et éviter la gestation. Nous avons lance-flamme, nous allons jouer avec le chapitre des Space Wolves, un chapitre qui est un peu plus, on va dire, basé sur l'attaque pure, sachant que quand vous allez attaquer, vous allez lancer 2 dés cette fois-ci et non pas 1 dé, et vous gagnez sur les égalités. Par contre, bah, quand vous allez tirer, vous allez lancer 1 dé directement et non pas 2. C'est une sorte de rotation inversée entre les tirs et l'attaque. Je vous avoue que moi ça me plaît bien parce que ça me permet d'avoir un gameplay totalement différent et basé, on va dire, sur l'attaque et courir dans les tunnels. À vous de voir si ça peut vous plaire, j'espère en tout cas que ça vous plaira. On commence du coup avec la phase des Space Marines et le point est bien de commandement. Je vais me le tirer à côté. Je tire du coup un 3. Je vais le relancer parce que ça ne me sert à rien. Je relance et j'ai un 5. Donc on va mettre un petit 5 ici. La force, comme je vous l'ai dit, ça va être au corps à corps. Par contre, la faiblesse, bah, ça va être un peu bah, ce côté où vous avez du mal un peu à tirer. Je commence ici avec eh bien, le petit sergent qui va, pour une action, ouvrir la porte. Donc on voit déjà si on arrive à ouvrir la porte. Alors moi, hein, j'ai tous mes tableaux à côté qui sont faits de manière aléatoire, donc il n'y a pas de souci sur si la porte est ouverte ou pas du tout. La porte est défectueuse, ça commence très bien, donc il va falloir la péter. Donc une action, j'ai essayé d'ouvrir la porte, ça ne marche pas. Deuxième action, je la pète. Je lance 2 dés parce que je suis au corps à corps. Donc 2 et 1, ça ne marche pas. Avec 4 et 2, ça ne marche pas. Et voilà, je vais la péter comme ça. Paf! Donc, je la pète directement. Non, on va même la péter. On va carrément la casser comme ça. Tac. Hop, directement. Et je la pète là-dessus. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, on va directement voir ce que contenait derrière cette porte. Donc, on va, entre guillemets, l'ouvrir. Et derrière la porte, il y a une salle. Eh bien, ça commence bien. On va peut-être commencer à trouver vite les trucs. Et dans la salle, nous avons une pièce au hasard, ainsi eh bien, qu'un point d'entrée Jean Stealer. On va mettre une salle au hasard que je vais prendre directement là-dessus. Voilà. On va prendre cette salle-ci. Tac. Avec les petits panneaux, etc. Hop. On va mettre une autre petite porte à côté. Qui va se trouver ici. Tac. Hop. Désolé si je fais du bruit, ça va être un peu compliqué. Voilà. Bah tiens, je vais la mettre comme ça et je vais compter une case pour ouvrir. Et il y a un point d'entrée de Jean Stealer. Donc un point d'entrée de Jean Stealer, ça va être au milieu ici, comme ça. Et du coup, la ruche va pouvoir arriver de par ce milieu. Donc bah, je continue. Hein. J'ai fait 2 actions ici. J'ai fait 3 actions même, je crois, pour péter. Hein. C'est bien ça. Il me reste une action et bien sûr, j'ai 5 points de commandement. J'ai plus mon dé, je sais plus où il est. Il est ici. Voilà, on va le mettre là-dedans. 5 points de commandement. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai dépensé 2, donc je suis à 3. Et avec eux, je vais les faire avancer. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Le flammeur, je vais faire 1, 2, 3 et 4.
4 ici. Et je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5, un point de commandement. Et je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 directement ici avec un point de commandement. Il m'en reste un, mais bon, on va pas trop servir, on va les laisser comme ça. Là, c'est plutôt pas mal, hein, je dirais. Ensuite, on a bien évidemment la phase des Gene Stealer. Durant cette phase de Gene Stealer, on va tout de suite récupérer un pion qu'on va mettre dans la ruche qui se trouve ici. Ensuite, ce qui se passe, nous allons avoir un événement directement. Eh bien, dans cet événement, il n'y a pas d'événement, tout est calme, donc rien ne se passe. Je vais ensuite générer un point sur le point de Gene Stealer, eh bien, un blip qui se trouve dans la ruche, un des trois, sachant que là, ça ne sert à rien de faire un des trois, il y en a un, donc je vais le mettre directement ici. Et il est en attente, puisqu'il ne peut pas rentrer, et puis il a peur surtout, puisqu'il y a des Space Marines à l'intérieur. On repart sur un nouveau tour de jeu, donc je vais prendre à nouveau mes points de commandement. 2, ça ne me va pas, j'ai un 6, bah, c'est très bien, 6, voilà, je vais laisser ici, et on est reparti pour autre chose. Donc, le sergent, lui, va faire 1. Il va venir ici et il va tirer en même temps pour voir s'il pète la porte. Il fait 3, ça ne marche pas. En 2, il va essayer eh bien, de l'ouvrir. Donc, je vais voir si j'ouvre la porte. La porte n'est pas défectueuse, je peux l'ouvrir. Et derrière la porte, il se trouve encore une salle, mesdames et messieurs. Mais c'est terrible, on va vite trouver les trucs. Donc, la porte s'ouvre en 2, tac. Et ensuite, je vais trouver une salle. Et la salle est celle-ci, une pièce au hasard vide. Nous allons prendre une pièce au hasard et nous allons la mettre directement ici. Voilà, comme ça on va monter vers le haut un tout petit peu. Hop, 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 voilà. Je vais même peut-être baisser un petit peu. Non, alors ça va, vous voyez, mais je vais quand même baisser, ne sait-on jamais. Hop, 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 donc on n'oublie pas que ça, c'est ici. Voilà, et on va mettre ça ici. Donc elle est vide. Par contre, à côté, bien évidemment, il y a une autre portounette qui se met ici. Tac. Donc là, ça, c'était mon 2. Mon 3, je me mets dessus. Mon 4, je me mets ici. 5, 6 et 7. Et je me mets là. Donc j'ai utilisé 4 points. 3 points. 7, c'est ça. 3 points. Il me reste 3 points. Je vais embarquer mon petit ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais le mettre là. Donc encore un deuxième point. Le lance-flamme, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Un autre point. Celui-ci, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Un autre point, j'en ai plus. Et celui-ci, je vais faire 1 et je le laisse ici. Alors pourquoi je le laisse là? C'est super important parce que là, je sais qu'il y a un point d'entrée. Et tant que je le bouge, ils vont pas pouvoir entrer même s'ils sont 3. Hein. Donc il n'y a aucun problème. Et même si le score de meute, bien évidemment, dépasse. Donc là, je laisse un peu en temporisation. On va dire que je le sacrifie un tout petit peu pour que les autres avancent le plus rapidement possible. Donc là, on est plutôt pas mal. Hop, je vais même tourner un tout petit peu la caméra pour que vous voyez. Donc ça donne ça, grosso modo, vous voyez, tac, le petit Hulk qui se trouve là. C'est plutôt sympa, hein. Hop, et je vais la laisser là-dessus. Voilà, grosso modo, où on en est. Donc, un nouveau, eh bien, nous allons faire le tour des Gene Stealer. On va prendre un pion ici qu'on va laisser dans la ruche. Ensuite, on va faire un événement de Gene Stealer. Ils arrivent, convertissez 3 blips proches d'un Space Marine selon la cible prioritaire de mission. Bah là, ils ne peuvent pas. Celui-ci va rentrer directement ici. Il est en attente, il y en a deux. Ça commence à faire bip bip sur les radars. Un nouveau tour, eh bien, de Space Marine. Vous voyez comment ça tourne, c'est super simple. Donc, j'ai fait 4. J'ai fait 3 au préalable, ensuite j'ai fait 4. Donc, je vais prendre le 4 qui se trouve ici. Avec mon petit ici, sergent, pareil, je vais avancer et tirer. Donc, je lance un dé hein, tout le temps. Voilà, je fais 4, ça ne marche pas. Ensuite, en 2, je me mets ici, j'avance et je tire. Il faut que je fasse 6, ça ne marche pas. Je vais ensuite, en 3, ouvrir la porte. La porte est-elle défectueuse? La porte est défectueuse, encore une fois. Et en 4, je vais essayer de la péter. Hop, donc je la pète en 4. Et ben, je la pète en 4. Voilà, moi, je suis un fou, je pète les portes comme ça. La porte se pète ici, on trouve eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on va péter la porte, on va laisser ça comme ça pour l'esthétisme. Il y a encore une salle. Oh mais mon Dieu, il n'y a que des salles, il n'y a aucun couloir là-dessus. Alors la salle, c'est quoi? Eh bien c'est une salle au hasard avec un point d'entrée. Gene Stealer, encore une fois, ça va être compliqué. Alors un point d'entrée avec Gene Stealer, donc on va mettre ça... comment on va mettre ça ici? Bon, on va mettre ça ici comme ça, voilà. Avec un autre point d'entrée, Gene Stealer encore au milieu. Donc là, ça faisait 4. Ensuite, je vais mettre une nouvelle petite portounette ici. Hop, hop, hop. Ah, je suis désolé, ça fait du bruit, c'est un peu compliqué. Hop, c'est un peu rodé. Et ensuite, je vais mettre une autre petite
porte ici, bien évidemment. Hop, voilà. Je mets ça là-dedans. Donc là, c'est assez classe quand même. Hein. Si on regarde le Hulk, là, vous voyez. Tac, 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 tac. Ça se met là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Donc, on a dit une salle, machin, c'est bon, nous l'avons faite. Et il lui reste 4, donc je peux faire grosso modo 1, 2, 3, et je me mets là-dedans, il me reste un point, hop, pour essayer de bloquer le plus rapidement possible. Donc je vais même le mettre comme ça, parce qu'il était comme ça, hein. Donc voilà, j'ai plus, et ensuite je vais balancer lui, donc 1, 2, 3 et 4, il se trouve ici, celui-ci va faire 1, 2, 3, il se reste ici, celui-ci va faire 1, 2, 3, et celui-ci, bah celui-ci, on va peut-être le faire tourner pour qu'il avance à reculons ensuite. Donc 1, 2, on va le mettre comme ça. Voilà. On prend un blip, qui est la face de Gene Stealer qu'on va mettre ici. Ensuite, nous allons faire un événement, qui est la collision de météorites. Le Hulk devient instable. Tous les déplacements eh bien, sont réduits à 1. Donc on va pouvoir se déplacer que de 1, parce que là, on a une collision de météorites. Et la mise en état d'alerte va coûter 3 points d'action et non pas 2 points d'action. Et oui, parce que ça devient instable, c'est compliqué. Donc là, on va pas trop avancer. Celui-ci, eh bien, du coup, va se mettre au plus proche et il va se mettre directement là-dessus. Donc vous voyez, là, ça commence un peu à biper un peu partout, puisque le lance-flamme ici, il suit le lance-flamme. Et là, du coup, bah, on va essayer de bouger, mais pas trop non plus. Hein. Donc là, je vais pouvoir bouger de 1. Je lance même pas le dé ici, parce que ça me sert à rien. Hein. Je vais pas trop bouger là-dessus. Donc je vais faire 1 avec lui. Je vais faire 1 avec le lance-flamme ici. Avec lui, il était là, je vais faire 1. Et lui, je ne vais pas le bouger, surtout pas. Parce que sinon, ça va être la misère. Donc mon tour est assez rapide, celui-ci. Je prends un autre point ici, Gene Stealer. Et ensuite, je me fais un autre événement qui est « J'ai des signaux partout !» Tournez chaque Space Marine afin qu'il soit dos au blip, c'est au Gene Stealer. Alors celui-ci, bon, on part du principe qu'il rentre ici, donc on va le mettre dos au mur, ça va être comme ça. Celui-ci, eh bien... il doit être dos au blip, ça se trouve ici. Celui-ci doit être dos au blip, donc il est déjà dos au blip. Celui-ci, il est déjà dos au blip. Ouais, ça rentre comme ça. Et voilà. Donc ceux-là, ils sont dos au blip. Et on va mettre le deuxième ici. Plop, 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 plop. Ça commence à biper un peu de partout, là. Hein. Donc c'est un peu la misère sociale. Un autre tour commence. Je vais encore récupérer mes points de commandement. Et je suis à 5. Donc ça, c'est très bien, à 5. Voilà, je vais laisser ça là. Et je vais essayer de me dépatouiller pour aller... je sais pas où je pourrais aller, là j'ai un peu encore de la place pour jouer, je vais me mettre directement là-dessus. Donc je vais faire du coup 1, 2 et je vais tirer en même temps. Alors est-ce que je casse la porte? Non, 1, 2, 3, je me rapproche et je tire aussi. Non, 4, eh bien j'ouvre la porte, si elle n'est pas défectueuse encore une fois. La porte n'est pas défectueuse, c'est formidable, il y a un couloir cette fois-ci. Ah. Donc alors j'ouvre la porte en 3, plap, 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 plap. Et je trouve un couloir. Et cette fois-ci, le couloir est le suivant. On me donne un couloir de 2 sections 2 et 2 sections 2. Donc ça fait 4. Alors 2 et 2, je ne sais plus où je les ai mises. Je vais les mettre là. Tiens, voilà, j'ai 2 ici et 2 là-dessus. Donc voilà, j'ai 2 là-dedans. Hop, et 2 là-dedans. Là, je joue sans clip, c'est plus simple pour moi. J'ai juste à les clipper directement. Et ensuite, on va voir ce que contient le couloir. Le contenu du couloir, bah, c'est vide, et ensuite, on a un cul-de-sac, eh bien, bah, on a un cul-de-sac, parce qu'on a d'autres ici chemins pour sortir. Donc on va mettre un cul-de-sac, là ça ne servait à rien, donc on s'est fait un petit peu carotte. Alors le cul-de-sac est ici, et eh bien voilà, là on a un cul-de-sac, donc ça ne sert à rien, en 4, je suis là. Donc il me reste des points en plus, donc lui, je vais le laisser là, je vais faire avancer celui-ci, donc 1, 2 ici... 3, je viens là et je tire. Hop. 3, ça ne marche pas. 4, j'essaye d'ouvrir la porte. Alors, la porte est défectueuse. Oh, ce Hulk est dégueulasse, finalement. Donc, je vais essayer, du coup, eh bien, d'attaquer au corps à corps. 5, machin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas aussi. Oh, mais je... bah, ça ne marche pas aussi. Je ne vais pas me prendre la tête à utiliser plus de trucs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si ça marche, pardon, je suis fou, donc j'ai enlevé ici. Je suis un malade. Regardez les tirs soutenus, mais non. Alors du coup, que nous donne finalement la salle? La salle nous donne... hop. Eh bien, il y a une salle encore. Et la salle, ça va être, eh bien, une salle encore avec... plop, 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 plop. Une salle au hasard. Alors... j'en ai plus ou quoi de salles ici? Mais si, je dois en avoir plein. J'en ai encore plein ici, des salles.
Alors, la salle qui est celle-ci, voilà. Oh là 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 là, c'est grosse salle là en plus, mon Dieu. Alors, la salle se trouve là-dessus, voilà. On va mettre une petite porte encore au-dessus. Plap. Qui se trouve là-dessus. Hop. Voilà. Et du coup, bah, je vais faire avancer le flammeur ici. 1 et 2 et 3. Je vais bloquer. Et lui, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Et je vais le laisser là. Et celui-ci, je vais le bouger de 1. Je vais le laisser ici. Je vais essayer de reculer ensuite au maximum pour faire des Overwatch, Overwatch, Overwatch. Quoique ça sert à rien, je vais le mettre en garde. Comme ça, il va pouvoir relancer un dé, etc. Et vu qu'il a 2 dés au corps à corps, c'est pas mal. Donc je fais ça là-dessus. Ensuite, eh bien, j'ai un petit blip qui vient ici dans la ruche. J'ai ensuite un événement qui me dit j'ai des signaux partout. Et bien évidemment, donc on va les retourner. Donc lui il vient ici, c'est le maximum. Il y en a 3 dans cette salle. Donc lui il va se retourner. Lui du coup il va se retourner. Tout le monde se retourne et lui il va se retourner aussi. Tiens, on va le mettre un peu comme ça. Il y a des signaux un peu partout. Il se retourne. Un nouveau tour commence. Je suis pas prêt encore de terminer ce truc-là. Alors, 3, ça ne me sert à rien. Et j'ai 5 ensuite. Eh bien, 5, c'est mieux quand même. Donc, je vais laisser ça ici. Donc, je prends ce petit Space Marine. Je fais 1, 2, 3, 4. Et je le laisse là pour l'instant. Lui, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dépensé 2. Donc, je suis à 3 points. Celui-ci, je vais faire du coup 2, 3 et 4. Et celui-ci, je vais faire 2, 3 et 4. Et je vais faire 1, 2 et 3. Et je vais le laisser comme ça. Celui-ci, bah, je vais essayer. Pff, là, c'est compliqué. Je vais faire 1. Je vais le mettre comme ça parce que bien envie de le reculer. Donc, je le laisse comme celui-ci. Donc on va prendre encore une fois eh bien, un blip. On va faire ensuite un événement. On a arme enrayée. Un Space Marine ne pourra pas utiliser eh bien, son arme en état d'alerte. Bon, là, pour le coup, c'est pas grave. Hein. On s'en fout un peu. Il n'y a personne en état d'alerte. Et ensuite, on va mettre le dernier ici. Donc, vous voyez, j'ai 3 et 3. Donc là, putain, grosso modo, dès que je libère les deux cases, là, potentiellement, ça va commencer à monter. Je fais ensuite, hop, eh bien, ma phase de commandement. J'ai 2. Là, j'avais 3 et j'ai relancé par cupidité. Maintenant, j'ai 2. Ça va être un peu compliqué. Donc j'avance et je tire ici. Hop, alors qu'est-ce que ça me donne là-dessus? J'avance et je tire, ça me fait 1. Ensuite en 2, je vais essayer d'ouvrir la porte. La porte en 2 n'est pas défectueuse, j'ouvre. Derrière ça, il y a un couloir. J'explore le couloir. C'est 3 cases et 4 cases. Donc j'ai mon 3 ici. Hop. Et ensuite, on va l'ouvrir d'ailleurs. J'ai mon 3. J'ai mon 4 qui se trouve ici. Oh là là, c'est un long couloir. Là, vous allez plus voir, j'ai l'impression. Donc, je vais descendre. Parce que là, ça va être un peu compliqué pour vous. Hop, donc je vais descendre tout ceci. Toc, 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 toc. Je vais descendre ça aussi. Toc, 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 toc. Et bien évidemment, les blips se trouvent ici. Donc là, tout est calme pour l'instant. Rien de spécial, entre guillemets. Mais il y a quand même deux trucs. Donc, 1-3 qui se trouve là, et ensuite 1-4 qui se trouve au-dessus, qui se trouve là-dessus. Hop, et là vous voyez, ah oui, là vous voyez tout le couloir, c'est bon. Donc le couloir, il comporte quoi? Eh bien, il comporte un point d'entrée de Genestealer et un X à la fin en croisement. Donc le X en croisement, il est là. Hop, tac, il se met là. Donc je vais mettre la caméra déportée à côté pour que vous puissiez voir, ce sera même plus simple. Voilà, est-ce que vous arrivez à voir ici? Je pense que oui. Voilà, là vous arrivez à bien voir. Hop. Quoi, je vais peut-être un peu. Non, c'est bon, là vous arrivez peut-être à bien voir. Je suis désolé, ça prend trop de place. J'ai pas une table extensible. Donc voilà, on va mettre ça ici. Vous voyez le croisement, etc. Je vais peut-être vous monter un tout petit peu celle-ci aussi pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, grosso modo. Voilà, ça donne ça. Tac, voilà. Oh là là, c'est compliqué. Mon Dieu, la table horrible. Donc là, on a fait ça. Donc il y a un point d'entrée. Le point d'entrée, ben, on compte en fait le long du tunnel. Et ensuite, on le met au milieu. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va le mettre en cinquième position. 1, 2, 3, 4 et 5. Un point d'entrée ici. Et là, je crois que ça va être chaud parce que il me reste. Oh là là, il me reste pas beaucoup. Hein. Il me reste 2. Et je peux pas avancer jusqu'à là-bas. Ok. Et ben là, je vais faire direct Overwatch avec lui. Hop. Tout de suite, maintenant, je vais le mettre directement ici. Ou en garde, c'est peut-être plus simple.
parce que j'ai que 1 pour tirer. Et ça va être un peu sinon la misère. Alors comment je vais faire du coup là-dessus? Donc ils vont rentrer, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont m'attaquer en 6 après. Oh là. Ouais, je vais me mettre en truc. Hein. Allez, je vais me mettre en garde parce qu'ils sont quand même plus forts au, au cac. Et vous allez me dire, mais ça se passe comment en Overwatch avec un dé? Parce qu'on s'enraye jamais. Et si vous allez vous enrayer, je vais vous montrer. Allez hop, ça c'est pour le fun. Vous allez ensuite lancer à chaque fois 2 dés, vous allez prendre le meilleur. Mais si vous faites un double, vous enrayez en fait directement votre truc. Voilà, c'est juste ça. C'est, ça, ça pallie un tout petit peu la chose. Mais vous avez entre guillemets un poil plus de chance de, d'avoir votre, votre 5-6 quoi. Entre guillemets, en Overwatch, on se dit, bah tiens, ils sont un peu plus. Ils prennent un peu plus le temps, ils sont flexibles, blablabla. Donc on va faire ça comme ça. Lui, on va le mettre en 1 comme ça. Lui, comment je vais faire? Ou alors il fallait que je le recule pour que lui passe une grosse galette là-dessus. Non, bah lui, on va le mettre aussi en Overwatch. Non, on va le mettre en garde, lui. Lui, on va le mettre en garde. Et lui, là-bas, on va le mettre en Overwatch directement. Et lui, on va le laisser comme ça. Donc là, ça commence un peu à trifouiller, là. Donc, allez, on prend encore un petit hop machin que l'on va mettre ici. On va faire notre événement qui se trouve ici. Attaque sournoise, un Jean Stealer vous agrippe au travers d'un mur. Défendez-vous comme une attaque standard. Sur un succès, le Jean Stealer s'en va. Sinon, eh bien, vous perdez votre prochain tour. Donc, c'est avec le lance-flamme, on fait l'ordre de priorité. Donc, lui, hein, on va se mettre ici directement. Voilà. Il se met là-bas. Donc, on va le mettre là, comme ça, vous puissiez le voir. Donc, le Jean Stealer, bien évidemment, il va faire un 5. Et moi, je me défends, mais j'ai 2 dés. Eh bien, je fais 3 et 2, ça ne marche pas. Donc, au prochain tour, le lance-flamme ne pourra rien faire. Je suis agrippé, eh bien, contre le mur. Donc là, Overwatch, machin, rien ne se passe, tout le monde ne peut pas rentrer, etc. On est bon, on continue notre petit truc. On va essayer d'avancer au maximum quand même. Donc je vais faire mon jet, hop, grosso modo, 2 points. Oh là là, j'ai que 2 encore, c'est terrible. Allez, j'avance, donc 1, 2, 3, 4 et 5, je bloque ici. Celui-ci va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai utilisé mes 2. Celui-ci peut plus bouger, de toute façon c'est mort. Celui-ci, oh là là, ça me fait chier de laisser le sergent ici, entre guillemets. C'est une misère sociale, mais je suis obligé quand même de voir ce qui se trifouille de l'autre côté. Et non, ça va être un peu compliqué. Donc là, on fait ça comme ça, ok. Et puis, bah, je crois qu'on est parti pour une nouvelle phase de Jean Stealer. Donc on va mettre un petit 1 qu'on va laisser ici. Un événement qui nous dit quoi? Embuscade! Générer un blip derrière un Space Marine! Ordre de priorité! Et bien voilà, ça commence! Donc celui-ci va venir directement ici pour rentrer. Et celui-ci va se mettre là, directement. Et là, bah, c'est un peu la merde. C'est un peu la merde, pourquoi? Parce que bah, j'ai tout le monde qui est parti, là j'ai laissé tout seul mon truc. Je suis obligé de le faire rentrer lui en fait. Donc ça va être un peu la misère. Donc je suis obligé de voir les points de commandement. Là ça va être chaud. Alors, point de commandement, plap, j'ai quoi? J'ai 3. Bah, 3, je vais le garder, j'ai tellement peur d'avoir un 1, là. Donc, je me mets ça là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que lui, il va devoir quand même bouger, hein. Donc, 1, 2, 3. Il trouve ici 3 Jean Stealer en plus. Oh là 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 là. Bah, je crois que c'est la fin de partie. C'est la fin de partie. Donc, lui, il va se mettre ici. Lui va se mettre là-dessus. Et celui-ci... Ouais, je joue avec des trucs de V1 aussi, j'aime bien. Et lui va se mettre là-dessus. Ok. Eh ben c'est parti. Parce que pour tirer, déjà, on va dire, il peut tirer une fois. Donc, il est rentré, il l'a vu. Allez, on va dire, il tire. Il ne fait rien, de toute façon. Donc, elle était là. 1, 2, 3, 4. Eh bien, il va taper au corps à corps. C'est plus simple, donc il tape au corps à corps, en plus c'est sergent, donc il a plus un parade et tout ce que vous voulez. Donc il a 6, mais c'est parfait ça, il tape et il tue directement ce mec-là, hop. Donc lui il est mort en 4, voilà, donc je vais enlever lui d'abord. Donc lui est mort en 4, tac. Lui ensuite, eh bien il est là, 4, 5, il va se mettre ici. Donc j'ai un point de truc qui part. Attends, non, c'est mort comme ça parce que... Oh merde, j'ai pas beaucoup de points d'action, ça va être la misère là. 4, il se met comme ça. Alors j'ai fait quoi? 1, 2, 3 et 4, j'ai tapé. Et 5, je viens là et je tire aussi.
Ah, 5, c'est pas possible. Ensuite, en 6. Oh là là, il me reste un point, ça va être chaud. En 6, qu'est-ce que je vais faire du coup? Eh ben, je suis dans la merde, je crois. Je vais attaquer au corps à corps. En 6. Oh là là, je fais 2 et 1, mon dieu. Mon dieu, c'est la fin. 2 et 1, ça c'est un peu pourri. Plus 1, ça fait 3. Et lui, fait un 6 et 3. Donc, je relance la parade ici. Il fait un 6. Et ben voilà, comme par hasard, bam! Alors, lui, il tombe direct sous les chapeaux, là. Donc, là, c'est terminé. Et là, c'est un peu la galère. Comment je vais... Oh là là, ça va être chaud. Comment je vais me lancer de tout ça, là? J'ai encore lui qui peut taper au corps à corps. Je vais essayer de revenir avec lui. Donc, je vais faire 1 et 2 qui se trouvent ici. Je vais tirer gratos. Je fais un 4. Ensuite, je vais retirer gratos. Pour le tir soutenu, ça ne marche pas. Donc, c'est fait 1, 2, 3, 4. Il tire, c'est mort. J'ai plus rien. Oh là 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 là. C'est une misère sans fin. Je vais essayer avec mon lance-flamme, là, de voir ce que ça peut coller. Donc, en 1, eh bien, je tire en 1. Je tape, pardon, en 1. Je fais 6. Bon, bah, lui, il est mort directement. Hop, c'est plus simple. Ah, quoi que s'il fait 6. Non, on a dit gagner sur les égalités. Donc, lui, c'est mort. Donc, ça fait 1. En 2, je viens là et je tape encore. Hop, donc ça fait 1, 2, 3. Et je fais 3. Oh là là là, je crois que je suis mort ici. J'attaque derrière, donc il va se retourner. Donc lui, il se retourne, il gagne. Et dernière, attention. Dernière, je lance mes 2 dés. Je fais 5. Normalement, ça devrait être bon. Ah oui, c'est bon, il fait 5, je gagne sur les égalités. Quelle force! Quelle force ici, du Space Wolf au corps à corps, mon Dieu. Donc là, bah, j'ai tout fait. Celui-ci, on va essayer de le bouger. Quoique c'est chaud, mais je suis obligé quand même un petit peu. Là-bas, s'ils rentrent, ils font 1, 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de score de meute, parce que sinon, là, ils vont pouvoir s'arrêter au maximum ici. J'ai pas de ligne de vue, mais s'il y a un score de meute, ils vont rentrer direct. Et là, ça va être un autre truc. Hein. Donc allez, c'est parti. L'autre, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Là, bah, il est obligé de rester là, parce que c'est un point quand même de chute. Oh là là, là tout s'est passé en une fraction de seconde. Donc l'événement, hop, et je mets un petit blip, bien évidemment, bah, nulle part. Donc là, ça va être... Ah si, le 3, là, il y en a partout ici, ça blip de partout. Ok, donc attaque sournoise, et eh bien c'est pareil. Et ensuite, c'est 2 le score de meute, donc ils vont rentrer, oh là là, ils vont rentrer dans la ligne de vue. Et eux, en plus, il y a l'attaque sournoise ici, maintenant, qui fait que bah, si je me la prends, donc c'est un 5 à enlever, si je me la prends, je suis terminé. Oh, j'ai fait 6, c'est formidable, il n'y a pas d'attaque sournoise. Donc alors, celui-ci, ils vont rentrer. Donc ils vont faire 1, 2, 3, 4. Je révèle, il y en a 2. Oh là là. 4, donc 1 ici et 1 derrière. 4. Il reste 2 points pour les deux. Donc lui, 4, 5, il va attaquer. Il fait 5 et moi, du coup... Et je fais 6, bam! Oh là 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 là, c'est formidable. Donc lui, il lui restait 2, donc tac, la dernière action, il tape. Attention, il fait 6. Ouh, là, ça va être un peu chaud. Et non, eh ben c'est terminé. Ta-ta-da-dun! Bam! Et mon lance-flamme tombe sous d'affreuses souffrances. Grosso modo. Voilà, donc je me suis fait bien défoncer. Alors vous voyez, on est parti, grosso modo, tac, de là. On a fait ça. On a fait ensuite ça. On est parti ici. Oh là là, en plus, il y avait des trucs. Il y avait un cul-de-sac. On est revenu ici. Lui s'est fait buter. Tout le monde, d'ailleurs, s'est fait buter dans cette salle. Et on est arrivé en haut. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est un échec? Eh bien, c'est deux choses différentes. Quand vous avez fait un échec, eh bien, c'est les Space Marines tombèrent les uns après les autres. Le sang inondèrent les murs du Hulk. Les Gene Stealers se regroupèrent devant leur nid dans le but d'y protéger leur progéniture. Le vaisseau amiral, n'ayant plus de nouvelles de son escouade, envoya une nouvelle équipe dans le but d'avoir un rapport plus complet sur la situation. Ça veut dire qu'à un moment donné, ici, que vous ayez perdu ou gagné, vous allez avoir deux missions qui vont se dissocier. Donc là, il y a la mission de défaite, qu'on va jouer à la prochaine fois si j'ai le temps, et je vous montrerai grosso modo ce que ça donne. Et la mission ensuite de réussite, qui sera vraiment deux embranchements différents, qui eux vont donner deux grands finales totalement différents. Donc en soi, vous avez une base, ça part comme ça, les deux partent ensuite comme ça. Donc ça permet d'avoir une mini campagne sur une petite mission. Voilà, c'était Space Hulk en solo, j'espère que ça vous a plu, ça a été très court, hein. Ouais, 29 minutes. C'est très létal. Voilà, c'est moi, hein, je me suis gaffé aussi, parce que normalement, je laisse toujours un mec avec le lance-flamme. Je sais pas pourquoi je suis parti là-bas courir tout seul, ça ne servait strictement à rien.
J'avais plus de chance là-dessus. Donc, les Space Wolf au corps à corps, c'est sympa. Alors, il faut encore avoir de la chance, mais vous lancez quand même 2 dés, c'est bien. Au tir, c'est un peu moins bien. Hein. Vous avez le tir soutenu avec 1 dé, c'est pas si foufou quand même. Mais ça vous permet, entre guillemets, d'avoir voilà, un autre chapitre où vous jouez plus sur le corps à corps, etc. Et ça vous permet de sortir quand même de pas mal d'affrontements. Alors là, au corps à corps, mine de rien, j'en ai tué quand même pas mal, mais les Djinn Stealers restent assez balèzes. Voilà, cette partie est finie, elle s'est quand même mal dégoupillée. Au début, vous voyez, hein, c'était super calme, etc. Et puis, vlan, d'un coup, tout est parti, voilà, le nid, machin. Donc, effectivement, hein, c'est d'autres sensations que le jeu de base. Pourquoi ? Parce que bah, le jeu de base, vous voyez à peu près tout et d'où ça arrive. Là, vous voyez rien, c'est de l'incertitude, les événements, les machins. Puis, ça peut tomber super vite. Et ben voilà, le chapitre aussi des Space Wolf, bien qu'il soit super sympa à jouer en mêlée, eh ben, en tir, ça va être un peu compliqué, et le tir soutenu va vous servir uniquement à, vous, à votre enrayement, mais bah, ça va être un peu aussi compliqué derrière à pouvoir tirer aussi comme tous les autres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur peut-être le chapitre. Il n'est pas tellement fini en soi, moi je l'aime bien comme ça, mais si vous avez d'autres, on va dire, d'autres idées pour le rendre un peu plus peut-être punchy, sur... Alors, le corps à corps, je pense que c'est assez sympa d'avoir 2 dés, c'est rien d'en avoir un peu plus et de plus 1. 2 dés gagnés sur les égalités, déjà, c'est super fort, et ça renforce un peu le côté féroce des Space Wolf. Après, sur le tir, je sais qu'ils sont moins bien dans tout ce qui est fluff, etc. Je m'y connais vraiment pas trop là-dessus, donc peut-être qu'avec le temps, ils ont changé. Je sais qu'on m'avait dit que c'était pas leur fort de tirer, ils avaient plein de stratagèmes à côté qui leur permettaient de renforcer un peu les tirs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des suggestions. Moi, ça, c'est pas un truc fini dans le temps. Je vais pouvoir remonter, machin, là-dessus. Et puis, ça permettra aussi de faire tout un truc ensemble. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout. Allez, à bientôt, ciao, ciao.